Que Dieu te bénisse. Amen. Nous parlons des alliances divines. We are talking about divine covenants. Nous parlons des alliances de Dieu. We are talking about the covenants of God. Et nous avons dit à l'église de Jésus-Christ, and we say to the church of Jesus Christ, qu'une alliance est un lien, est un pacte, covenant is a link, a treaty, est une chaîne, a chain, qui lie deux personnes ou deux groupes de personnes. That link two people or two groups of people. Une alliance est un ensemble de clauses. A covenant is a set of clauses. Un ensemble de décisions. A set of decisions. Qui ont été prises. That were taken. Pour régir la communion entre deux personnes ou deux groupes de personnes. To rule the fellowship between two people or two groups of people. Et nous avons dit que tout ce que nous faisons, we said all what we do, tout ce que nous vivons, all what we go through, tout ce que nous attirons, all what we attract, tout ce que nous expérimentons, all what we experience, est fonction du type d'alliance sous-jacente à notre vie. Depend on the kind of covenant in force in our life. En réalité, je veux faire ce soir là la différence entre une relation et une alliance. I want to make the difference between a relationship and a covenant. La relation est ce que tu vis réellement avec une personne. The relationship is what you live really with a person. L'alliance est ce qu'il fait cette relation. The covenant is what makes that relation. L'alliance est ce qui régit cette relation. The covenant is what rules that relation. La relation est ce qui est visible. The relation is visible. L'alliance est ce qui conduit la relation, mais de manière invisible. The covenant is what leads the relation, but invisible. Donc en réalité, reality, la plupart des relations que nous avons, most of our relationship, la plupart des choses que nous vivons, most of the things we are living, de ce que nous repoussons, what we push away, ou attirons, or attract, est fonction des alliances sur lesquelles nous depend on the covenants on which you are standing. Et lorsque je parle des alliances de Dieu, and I talk about the covenants of God, toute personne que Dieu a utilisée, every person God has used, a eu à tisser des alliances avec Dieu. Make covenants with God. Parce qu'en fait, si Dieu ne tisse pas alliance avec toi, comment il fait pour te contrôler? If God doesn't make covenant with you, how will he do to control you? Dieu ne tisse pas alliance avec toi, comment il fait pour que tu lui pour t'être redevable? If he doesn't make covenant with you, how will he do to be owed to you? Ça partit de l'alliance qu'on peut être redevable à une personne. As from the covenant we can be owed to the person. Ça partit de l'alliance qu'une personne peut nous être redevable. As from the covenant a person can be owed to us. Et lorsque nous parlons des alliances avec Dieu, when we talk about covenants with God, je disais à cette église hier, I said to that church yesterday, que dans l'alliance avec Dieu, the covenant with God, et je l'ai dit ici le dimanche, I said it on Sunday, il y a trois dimensions, there are three dimensions importantes important à expérimenter to experience dans l'alliance avec Dieu. The covenant with numéro God. Un, number one, la communion. La communication, la relation. Il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans qu'une communion ne soit réelle, sans qu'une communication ne soit possible, sans qu'une relation n'existe. Donc quand Dieu tisse une alliance avec nous, il nous met en communication avec lui. He puts us in communication with il him. Nous met en communion avec lui. He puts us in fellowship il with nous him. Donne l'autorisation de lui parler. He gives us authorization to talk to him. Et de l'écouter aussi. And to listen to him too. Il y a plusieurs personnes, there are many people, qui n'ont aucune communication avec Dieu. Have no communication with God. Ils les font de manière mécanique. But the prayers they are doing as a routine. Les prières qu'ils font, ils les font de manière religieuse. Their prayers are religious. Tu ne peux pas commencer une année, tu la termines. You cannot start and end a year. Sans me dire, même par erreur, que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Without saying that God saw you or told you something. Pas sur la vie des gens, mais sur ta propre vie. Upon your own life. C'est un danger dans l'église. It is a danger in the church. D'avoir des enfants de Dieu qui n'ont jamais écouté Dieu. To have children of God who have never listened to God. J'ouvre la parenthèse parce que je sais que dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'esprit de Python. I know in the church, there is what we call the spirit of Python. Des gens prennent la, sur eux la lourde responsabilité d'écouter des esprits sur la vie des gens. People decide on their own to listen to spirits on the life of people. Dieu, quand il t'appelle et tisse alliance avec toi, il te parle d'abord de ta vie. When God calls you and makes covenant with you, talks you first about your life. Il ne te parle pas d'un ancien de l'église. He doesn't talk about an elder of the church. Parce que tu n'as pas le mandat. Because you don't have the mandate. Et quand même Dieu va te parler d'un frère de l'église, when God will tell you about the brethren in the Lord, tu n'as aucune autorisation d'aller lui dire Dieu m'a montré ça sur toi. You have no authorization to recount what God showed you. Tu vois le pasteur.
J'ai vu, j'ai reçu ceci. I received this. Parce que ce que tu dis n'est pas ce que Dieu a montré, c'est l'interprétation que tu as reçue de ce qu'il t'a montré. Because what you say is the interpretation you receive from what God showed you. Dans une même vision, on peut avoir 1000 interprétations. In the same vision, we can have 1000 interpretations. Donc normalement, si Dieu t'a montré quelque chose, if God has shown you something normally, tu peux mal interpréter. You cannot interpret it. Ah, j'ai fait un rêve où tu mourais. I had a dream where you were dying. Dieu peut t'avoir montré que c'est son homme animal qui est mort et qui va revivre avec Dieu désormais. Mais toi, tu prends le rêve pour aller dire à la personne, je t'ai vu mourir d'un accident. Tu n'as pas interprété selon ce que Dieu voulait. Donc, dans l'alliance avec Dieu, ça commence par la communion. Dans l'alliance avec Dieu, ça commence la communication. The covenant with God starts with communication. Donc quand une alliance est tissée avec Dieu, when a covenant is made with on God, doit parler à Dieu. You must talk to God. On doit écouter Dieu. You must listen to on God. Doit s'attendre à Dieu. You must expect to God. On doit s'attendre à Dieu. You must expect to God. On doit s'attendre à Dieu. You must expect to God. Quand tu te lèves le matin, when you wake up in the morning, la première des choses, the first thing, c'est de parler à Dieu is to talk to God. Et d'écouter Dieu. And to listen Je to te God. Donne un exercice simple à faire chez toi. I give you homework. Arrête de faire des prières rapides et mécaniques. Stop praying fast. Tu peux te lever le matin, and wake up in the morning. Tu ne dis rien. You say nothing. Et tu essayes d'écouter. And you try to listen. Tu essayes de percevoir. You try to perceive. Tu restes dans le calme. Quiet. Avant de commencer à prier. Before starting praying. Beaucoup prient pour remplir une formalité. Many are praying to fill the formality. Beaucoup prient parce que s'ils ne le font pas, ils seront mal à l'aise en journée. Many people pray because they have to do it. Est-ce que tu sais que la prière n'est pas juste les récitations de paroles? The prayer is just not made up recitation. La prière peut aussi être des soupirs. The prayer can be... La prière peut aussi être des bonnes pensées. Good thoughts. La prière peut aussi être des bonnes émotions. Good emotions. Donc, je donne un conseil ce soir. I give an advice tonight. Tu peux te lever le matin. You can wake up in the tu ne dis rien. You say nothing. Et Dieu te parle. And God talks tu es en train de prier. Quand dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit, when in 1 Thessalonians 5, verse 7, priez sans cesse. Il n'a pas dit parler sans cesse. He didn't say earnestly speak. Dans la communication, il y a ce qu'on appelle le protocole de communication. In communication, there is what we call the protocol of communication. Je crois qu'on a 500 secondes. Dans le protocole de communication, the protocol of communication, quelqu'un parle d'abord. Somebody speaks first, et l'autre écoute. And the other listens. Tu peux commencer à parler aujourd'hui. You can start speaking today. Dieu t'écoute. God listens to you. Demain, tomorrow, Dieu peut commencer à parler. God can start talking. Tu l'écoutes. You listen. Donc, dans la prière, in prayer, il n'y a pas que je, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te bénis. Dans la prière, tu peux aussi ne rien dire. You must remain silent. Tu ne parles pas. You don't speak. Tu es en train de prier. Dans ton bureau, office, tu ne parles pas. You don't speak. Mais Dieu te parle. But God talks c'est la prière. It is a prayer. Donc, la prière est juste cette communication, the prayer is just this communication pendant laquelle during which quelqu'un parle en premier, somebody talks first, l'autre écoute, the other listens, l'autre te répond, the other replies, l'autre écoute. The other listens. Dans l'alliance divine, in the divine covenant, Dieu doit te parler. God must talk to you. Toutes les personnes que Dieu a utilisées, all the people God has used, toutes les personnes que Dieu a bénies, all the people God has toutes blessed, les personnes que Dieu a élevées, all the people God has lifted il a d'abord parlé. First of all spoke. Maintenant, le problème qu'on a, now our problem, c'est que plusieurs, that many, ce n'est pas Dieu qui leur a parlé, that God who had talked to them, ce sont leurs émotions, their emotions, ce sont leurs fantasmes, their fantasies, ce sont des démons. Demons. Je ne te dis pas que Dieu t'a dit que ta sœur. I don't tell you God has sold Dieu your t'a sister. Dit que le pasteur. God has sold you the pastor. Dieu t'a dit que ton voisin. God has sold you your je dis parler sur toi-même. Speaking upon your ta relation life, avec lui. Relationship with him, ta vie personnelle. Personal life, c'est là que l'alliance commence. That's where the covenant starts. Quand Moïse Moses est choisi par Dieu is chosen by God pour aller libérer le peuple, to release the people, l'alliance entre Moïse et Dieu the covenant between Moses commence and God par la capacité que Dieu a à parler à Moïse. That's where the ability God has to talk to Exode chapitre 3. Exodus chapter 3. Dieu parle à Moïse. God talked to Moses. Moïse est dans ses activités. Moses is working. Après avoir fui Pharaon, after running away from il est parti Pharaoh, se réfugier quelque part. He hid himself somewhere. Dieu veut l'utiliser. God wants to use Dieu him. Veut l'équiper. God wants to equip Dieu veut l'envoyer. God wants to send il lui parle d'abord. Talk to him first. En cette année, this year, qu'est-ce que Dieu t'a dit? God has pour cette semaine, for this qu'est-ce week, que Dieu t'a dit? God has God pour cette you. Saison, for this week, qu'est-ce que Dieu t'a dit? God has God told you. Il y a une crise de communication entre les chrétiens et Dieu en cette saison. There is a crisis of communication between Christians and God in this season. Les chrétiens sont plus prompts à parler sur WhatsApp avec des personnes qui ne leur apportent rien. Christians are more ready to talk on WhatsApp with those who bring make them get les chrétiens sont prompts à écouter sur Internet, Facebook,
des gens qui ne leur peuvent pas changer leur vie. Christians are ready to fall on the internet, those who cannot change their life. Au lieu d'écouter celui qui a la clé. Instead of listening to he who has a au lieu d'écouter celui qui a la vie. Instead of listening to he who tu has prends life, plus de temps you take more time à écouter la distraction to listen to distraction que d'écouter ce qui va t'apporter le succès. Rather than what will bring you success. Au commencement the beginning de l'alliance entre Dieu et Moïse, of the covenant between God and Moses, Dieu a parlé. God talked. Dieu a parlé. God talked. Oui. Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, oui, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Oui, oui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Dans l'alliance avec Dieu, in the covenant with God, il y a toujours une communication. There is always a communication. Dieu peut venir de lui-même. God can come himself, Dieu peut mandater un ange. Or you can mandate an angel. Pour Marie, for Mary, il a envoyé Gabriel. He sent Gabriel. Pour Elisabeth, for Elizabeth, il a envoyé. He sent pour Daniel, Daniel, il a envoyé Gabriel. He sent Gabriel. Dieu envoie toujours un ange. God always send an angel. L'ange que Dieu envoie pour l'alliance peut être le pasteur. The angel God sends for the covenant can be the pastor. Je veux quand tu viens ici, tu viens en t'attendant à ce que Dieu te parle. Come here, we're expecting for God to talk je to suis you. Amusé de voir dans notre église des personnes qui viennent avec des problèmes people who come with problems. Et de chercher à ce que l'homme de Dieu leur parle. Instead of seeking for the man of God to talk to eux, them, ils sont dans les groupes où ils vont se parler des choses qui ne vont pas leur apporter la vie. They talk about useless things in group. Un an après, deux ans après, two years later, trois ans après, leur vie est sur place their life is on the et spot. Personne ne sait nobody knows qu'ils ont commencé that au lieu que Dieu leur parle. Instead of God to talk to them, c'est son voisin qui a plus de démons que lui qui l'a parlé. The neighbor who is more possessed, talk to him. Je donne un conseil à quelqu'un. My advice for somebody. Nous sommes venus à l'église en détail. We have come to the church individually. Cherchons Dieu en détail. Let's see God individually. Ton voisin peut être un perdu. Your neighbor can already be lost. Quelqu'un qui trouve qu'il a gâté et raté sa vie. Somebody who thinks he's already a loser. Ne t'accroche pas sur lui. Écoute la voix de Dieu. Écoute l'homme de Dieu. Écoute l'ange de Dieu. Tu vas tourner en rond dans l'affaire d'église ici. Nous, on a vu des gens en 2005. We saw people in 2005. Dans 2005 jusqu'aujourd'hui. From 2005 ils ne font now, que changer d'église. They are just changing church. Parce que partout ils arrivent, perturbation, distraction. Et Galates chapitre 5 verset 10 dit Galatians chapter 5 verset 6, si quelqu'un vous trouble, if somebody troubles quel qu'il soit qui l'emporte la peine, whoever is he, let s'il y a quelque chose qui trouble la vie de plusieurs à l'église, there's something that troubles the life of many people in the church. C'est la distraction. Distractions. Frère, brother, tu sais ce que veut dire que dans la communication, le réseau est brouillé. The communication, the network disturbs. Il y a des gens qui ont une bonne communication au départ. Some people have a good communication in et après, ils se lient d'amitié avec des gens à l'église. After they become friendly with people in the church. Et cette amitié vient brouiller la communication qu'ils sont censés avoir avec Dieu. That friendship disturbs the communication they are supposed to have with God. Et après, ils échouent. After they fail, ils accusent les sorciers. They accuse wizards. La plupart de ceux qui échouent étant à l'église most of those who have been in the church sont des gens qui écoutent tout who listen to everything, sauf ce que Dieu veut qu'ils écoutent. Except what God wants them to listen. Il y a des informations there are information qui ne sont pas utiles that are not useful pour ta promotion. For your promotion. Tout informe, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Everything is permitted, but all is not useful. Et tu as la permission d'écouter la vie de tout le monde. Have the permission to listen to the life tu as la permission de parler mal de tout le monde. Or to slander the name of everybody. Tu as la permission de faire le congossa de tout le monde. Or to gossip of everybody. Mais l'utilité pour ta vie, ton contrat, ton voyage, ton mariage, ta destinée est à quel niveau? So how is it useful to your life? Qu'est-ce qui est utile dans tout ce qu'on te dit? What is useful in all what you are told? Dans tout ce que tu fais, what is useful in all what you are qu'est-ce doing? Qui est utile dans tout ce que tu reçois comme information, what is useful in all what you receive as information? Pendant qu'il est en train de perdre le troupeau, Balaam is losing the livestock. Il est en train de perdre le troupeau, losing the livestock. Il est sur la montagne de Dieu, upon the mountain of God. Quelque chose se passe, something happened. L'ange de l'Éternel vient, the angel of the Lord came. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Oui. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Je disais à quelqu'un,
un secret que Dieu t'a appelé. A secret God has called un signe you. Que Dieu t'a appelé. A sign God has called you. C'est que quand il te parle, tu as peur, tu veux refuser. When he talks to you, you're afraid, you want to La deny. Plupart de ceux qui sont excités pour servir Dieu tôt, most of those who are excited to serve God Dieu ne les a pas appelés. God has not La plupart d'appelés veulent fuir l'appel. Most of those who are called want to run away from the call. La plupart d'appelés veulent fuir le ministère. Most of those who are called want to run away from the ministry. La plupart d'appelés trouvent que être pasteur jeune c'était pénible. Most of those who are called think being a young pastor is hard. Être pasteur sans avoir l'argent est difficile. Being a pastor without having money is difficult. Être pasteur étant célibataire est compliqué. Being a pastor being single is complicated. La plupart des gens que Dieu appelle veulent se détourner de l'appel. Most of those who are called by God want to divert themselves from the Donc Moïse a vu que l'appel est sur le chemin. Moses saw the call on his way. Il veut se détourner. He wanted to turn away. Mais trop tard. So late. Et parmi ceux que Dieu appelle, Among those God calls, il y en a qui veulent se détourner, Dieu les laisse. Some want to turn away, God allows. Il y en a qui veulent se détourner, Dieu les rattrape. Others want to turn away, God cut them. C'est l'alliance. It is a covenant. Dans l'alliance avec Dieu, the covenant with God, quand il t'appelle, when he calls you, il te parle. Talks to si you. Tu refuses, if you refuse, il te ramène. Et ce back. Dieu peut te ramener de plusieurs manières. Can bring you back by several manners. Il peut te ramener étant debout. Being standing. Il peut te ramener étant Being on your knees. Il peut te ramener étant couché. Being laying. Saul. Saul a été ramené étant Was brought back being Jonas on a été ramené étant couché. Being laid. Dieu peut te ramener dans son service par une maladie. God can bring you back in his service with sickness. Dieu peut te ramener dans son service par une pauvreté aiguë. God can bring you back in service with Il t'appauvrit. Pauvrishes you. Il te rend inutile. He makes you useless. Il te sèche lui-même Dieu. He dries you of himself. Parce que tu refuses l'appel. Because you refuse the call. Dieu peut te ramener dans son service en tuant quelqu'un que tu aimes. God can bring you back in his service by killing somebody you love. Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas les sentiments? Do you know God has no feelings? Dieu n'a pas l'âme. God has no soul. Dieu est esprit. God is spirit. C'est toi qui as mal. You are hurt. C'est toi qui pleures. You are the one who cries. Dieu ne pleure pas. God doesn't Donc cry. La mort de quelqu'un so the death of somebody n'enlève rien à Dieu. Will remove nothing to God. La mort de quelqu'un the death of somebody, n'enlève rien à Dieu. You remove nothing to C'est God. Toi qui vas perdre you are the one that will lose en refusant while refusing de répondre à l'appel. To reply to the call. Il veut se détourner. He wants to turn away. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du boisson. Et Dieu commence à communiquer avec Moïse. God started communicating with Moses. Dans l'alliance avec Dieu, in the covenant with God, il faut la communication. There must be communication. Quand tu viens à l'église When you come to the church, et que Dieu te connecte à lui par son serviteur, God connects himself by l'un des objectifs prioritaires de la prédication, One of the first objectives of the preaching, c'est d'avoir la capacité is to have the ability à être en communication avec l'homme de Dieu. To be in communication with the man Dans l'alliance avec Dieu, il y a deux choses. The covenant of God, there are two things. Communiquer avec Dieu et communiquer avec l'homme de Dieu. To communicate yes. with God and to communicate Tout with the ce que God. Tu deviens dans le ministère How will you become in the est fonction de ce que tu as compris de la vision du ministère. Depends on what you have understood about the vision of the ministry. Ce n'est pas de ta faute si tu viens à l'église. It's not your fault if you come to the tu es sérieux. You are serious. Tu es ordonné. You are honest. Tu es discipliné. You are disciplined. Et que trois mois après, Three months later, deux mois après, two months tu later, te perds. C'est que à la base, pay, il n'y a pas une bonne communication, a good communication entre Dieu et toi et entre you, l'homme de Dieu et toi. Et you. Parfois, Sometimes, quand le diable voit que la prédication, le message, message, la vision vision de l'homme de Dieu veut te transformer, transform il envoie you. Ses agents. Agents. Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine. Let nobody henceforth trouble me. Car je porte sur moi les meurtrissures de Christ. For I have upon myself the wounds of Christ. Et Galates 5, verset 10 dit, Galatians 5, verse 10, si quelqu'un vous trouble, somebody troubles quel you, qu'il soit, whoever he frère, is, ne joue pas avec ta foi. Don't play with your ne joue pas avec l'alliance. Don't play with the covenant. Il y a l'alliance avec Dieu à l'église There is a covenant with et l'alliance avec church, l'homme de Dieu. And a covenant with the man of God. En réalité, Ève est en alliance avec Dieu. With Adam est en alliance avec Dieu. Mais God. Le serpent est venu troubler la communication, la communion qu'il y avait entre ces gens. Quand tu viens à l'église, c'est l'autel que tu regardes. C'est Dieu que tu regardes. C'est l'homme de Dieu que tu regardes. Et non ton voisin. Plusieurs ont perdu la foi parce qu'ils ont oublié qui ils suivent. L'ancien qui est là, le serviteur qui est là, ne peut même pas
par l'onction qu'il a, te résout un problème. Mais c'est ce qu'il te dit que tu écoutes. Galates chapitre 5, verset 10. Galates chapitre 5, verset 10. Galates chapitre 5, verset 10. Il est écrit. Oui. J'ai cette confiance en vous. J'ai cette confiance en vous. Que vous ne penserez pas autrement. Vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve. Mais celui qui vous trouve. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Emporte la paix. Emporte la paix. L'alliance. C'est la communication. Is communication. L'alliance, c'est la communion. Quand tu viens à l'église, est-ce que Dieu te parle? Est-ce que l'homme de Dieu te parle? Ce que tu seras dans le ministère où Dieu t'a appelé est fonction de ta capacité à écouter Dieu et l'homme de Dieu. Si tu m'écoutes moins, if you listen to me, et tu écoutes les autres plus, and you listen to all tu vas échouer ici. You fail here. Un conseil pour ceux qui viennent d'arriver. One advice for the newcomer. J'ai beaucoup de prédications sur YouTube. How many preachings on YouTube? Plus de 1000 prédications téléchargées sur YouTube. More than 1000 preachings downloaded on si YouTube. Tu n'as pas encore écouté la moitié, if you have not yet watched tu ne peux half, pas comprendre la vision. You cannot yes. understand this vision. Tu n'as même pas encore fait un an ici. You have not yet spent 1 year on t'a fait le congrès de toute l'église. We already recounted the life mais of tu n'as everybody. Pas encore écouté deux de mes prédications entières sur YouTube. But you have not yet watched two preachings on dit que on tu es ancien d'église. They say you are elder of church. Voilà l'église. That's how the et church c'est is. Comme ça partout. That is how things are everywhere. C'est comme ça partout. That's how things are everywhere. Qu'est-ce que Dieu te dit? What does God tell you? Qu'est-ce que l'homme de Dieu te dit? What does a man of God tell you? Fais l'effort make effort d'écouter Dieu, to listen to d'écouter God, l'homme de to Dieu listen to the man pendant of God. Un mois. For 1 month, tu verras que même spirituellement, you will see that even spiritually, tu vas changer. You grow. Amen. Tu n'empêcheras pas aux gens dans le quartier de te dire que tu vas échouer. You won't hear the people in your neighborhood to tell you that you will fail. Tu n'empêcheras pas aux gens dans la famille de te dire que tu as raté ta vie. You won't hear the people to tell you your family. Ça that c'est you're pour eux. That's maintenant concern, pour toi, choisis qui tu écoutes. Choose who you listen. Dans l'alliance avec Dieu, the covenant with God, il faut sélectionner qui on écoute. Select who you listen. Eve, Eve devait écouter Adam. Had to listen to Adam. Devait écouter Dieu. Had to listen mais to ce God. Jour-là, but that day, elle écoutait le serpent. She listened to the snake. Numéro 1 dans l'alliance avec Dieu. Number one, the covenant with God, tu dois écouter. You must listen. Dieu God et l'homme de Dieu. And the man of God. Numéro 2 dans l'alliance avec Dieu. Number two, in the covenant with God, tu dois avancer un peu plus you must progress more pour obtenir des explications de ce que tu écoutes. To obtain explanations of après what you avoir listen. Écouté, after listening, pendant que tu écoutes, while you listen, numéro 2, number two, il te faut la profondeur. You need the depth. Daniel chapitre 8, verset 15 à 16. Daniel chapter 8, après que Daniel, after Daniel ait reçu la vision, received the vision, Daniel est dans le flou. Daniel, was not Daniel est perdu. Daniel was lost. Il s'assoit par terre. He sat on the et ground. Il dit que je veux comprendre ce que je viens de voir. I want to understand what et I Dieu see. Dit à Gabriel, God explique-lui Gabriel. La vision. Explain him the vision. Toute vision que tu reçois you receive, a besoin d'une explication. Needs an explanation. Dieu dit à Gabriel, Gabriel explique-lui explain la vision. Daniel chapitre 8, à partir du verset 15. Tandis que moi, Daniel, oui. j'avais cette vision et que je cherchais à comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'ulaï. Il cria et dit. Il cria et dit. Gabriel. Gabriel. Explique-lui la vision. Gabriel. Explique-lui la vision. Gabriel. Explique-lui la vision. Gabriel. Explique-lui la vision. Ta vie. Life. Ne pas aller nulle part si on ne t'explique pas yes. là où ta vie doit aller. Ton ministère ministry, ne peut pas décoller si on ne t'explique pas pourquoi ça doit décoller. Le problème de plusieurs, ils ont écouté Dieu, mais ils n'ont pas reçu les explications. Yes. Il dit, tandis que je cherchais à comprendre. Why I try to understand. On a les gens à l'église qui n'ont rien compris de l'église. God. On a des grands hommes de Dieu great men of God mandatés and qui sont suivis follow.
par des milliers de personnes qui n'ont rien compris de leur appel, de leur message, de leur ministère. Ça sert à quoi que tu me suives depuis 2 ans? Tu n'as rien compris de là où je pars. Ils sont nombreux. Tu es pasteur, serviteur, évangéliste, ancien, hôtesse. Tu me comprends même. Tu comprends ce que je fais. Tu comprends pourquoi Dieu t'a connecté à moi. Tu comprends même pourquoi tu aimes mes prédications. Ou bien tu fais seulement pour faire. C'est là que beaucoup ont échoué. Après avoir écouté, ils n'ont pas compris. Daniel est le gars le plus intelligent de Babylone. Daniel is the most intelligent man of Babylon. Mais Daniel n'a pas compris la vision. But he didn't understand the D'affaire vision. De vision, laisse les diplômes. Forget the degree. Pour comprendre la vision, il faut la révélation. To understand the vision, you need revelation. Ah, je le connais. Ah, je le connais. Tu as compris l'affaire là. Have you understood how it works? Je dis, Daniel surpassait tous les satrapes et les gouverneurs. Il n'a pas mangé les mets du roi. Et au sorti de l'épreuve, il était le meilleur en termes de sagesse, d'intelligence. Et on a dit, en lui se trouve l'esprit des dieux. Mais quand la vision est venue, l'esprit des dieux a eu besoin d'explication. Si ce n'est pas ici que tu es, et que tu sois quelque part, derrière un homme de Dieu, et que tu sois un homme de Dieu, avant de t'agiter, demande qu'on t'explique. Si tu ne comprends pas l'église, demande qu'on t'explique. Si tu ne comprends pas les épreuves par lesquelles tu passes, demande qu'on t'explique. Si tu ne comprends pas les échecs malgré que tu payes la dîme, demande qu'on t'explique. Si tu ne comprends pas les rejets de famille, malgré le fait que tu aimes tout le monde, demande l'explication. Avant de critiquer, avant d'abandonner, avant de te lamenter, demande l'explication. Yes. Il n'y a pas de mission divine. Il n'y a pas de vision divine sans objectif de Dieu. Si tu ne comprends pas l'objectif pour lequel tu as suscité révérend Paul Zan, demande, on t'explique. Yes. Tu parles de quoi? Tu comprends quoi? Tu connais quoi? What are you talking about? What do you understand? What do you know? Ce que ta vie sera, what your life will be, sera fonction will depend de ce qu'on t'a dit on what you et de ce que tu as compris. And on what you understood. Tu as compris quoi? Mm. What have you understood? Ah, moi je pense que ce que tu penses est-ce l'explication de l'ange. What you are thinking, is it the explanation of the angel? On m'a dit que c'est l'explication de l'ange. Is it the explanation of the angel? Ce qu'on t'a dit, what you were told, sur ton avenir, your future, sur l'église, the church, sur tes projets, your project, sur ton ministère, your ministry, est-ce l'explication de l'ange? Is it the explanation of the angel? Dans l'alliance, the covenant, pour que l'alliance agisse, for the covenant to act, il faut écouter you need to listen et comprendre. And understand, et pour comprendre, and to understand, on doit t'expliquer. It must be explained. Est-ce que tu sais que Jésus parlait en parabole? You know, Jesus was speaking in parables. Et quand la foule était partie, when the crowd Pierre dit, Maître, Peter said, explique-nous ce que ça veut dire. Explain us the meaning. Dans l'église, il y a des choses qu'on prêche, il y a des choses qu'on fait, there are things we do, et les gens voient. People see, mais quand tout le monde est parti, il y a un groupe à qui on explique. We explain to c'est a ce group. Groupe qui doit porter la vision. That group must carry c'est the ce groupe qui est réellement en alliance. That group is really in tous les chrétiens ne sont pas en alliance avec l'homme de Dieu. All the Christians are not in covenant ceux qui sont en alliance, alliance, c'est ceux qui cherchent l'explication. Je ne parle pas de ton explication. Je parle de l'explication de ce qu'on t'a donné. Pierre dit à Jésus, explique-nous ce que cette parabole veut dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public. L'église sont des mystères. It's made of mystery. Et les mystères à certains degrés. Mystery to Jésus avait des équipes de 5000, la foule qui venait écouter la parole. Jesus had the crowd that come to listen to the word. Il avait des disciples de 120. Disciples 120. Il y avait des disciples de 70. 70 disciples. Il y avait les apôtres de 12. Apostles 12. Il y a le cercle fermé des 3.
And three, à chaque niveau, each level, les explications évoluaient en fonction du groupe. Explanation evolve according to the groups. On tisse l'alliance, make covenant, on entretient l'alliance. We entertain the covenant. En fonction de l'alliance tissée according to the covenant et de l'entretien que tu fais avec l'alliance avec l'homme de Dieu, and how you entertain the covenant with the man of God. Il y a un type de mystère qui te sont révélés que les autres ne comprennent pas. A kind of mystery revealed to you that others don't understand. Quand tu es perdu dans une affaire comme église, when you are lost in the church, pose-toi la question, est-ce que j'ai alliance avec l'homme de Dieu? Question yourself, you have a covenant with the man of God. Et la deuxième question, and the second question, est-ce que j'entretiens l'alliance? Do I entertain the covenant? Est-ce que j'entretiens l'alliance? Do I entertain the covenant? Explique-nous, Seigneur. Explain us, Lord. Cette parabole veut dire réellement quoi? This parable. Oui. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 14. Oui. Il est écrit, laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Oui. Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Explique-nous donc. C'est ce que Gabriel a fait pour Daniel. So what Gabriel did for Daniel. Parce que Pierre était en alliance avec Jésus. Because Peter was in covenant il with fallait Jesus. Que Jésus explique. So for Jesus to explain. Explique-nous. Explain us. Pourquoi est-ce que dans l'affaire ici, matter, tu ne fais que nous dire qu'il faut que Dieu vous donne l'argent. You're just telling us that God must give you. Il faut que Dieu vous donne l'onction. God must give you anointing. Explique-nous. Explain au lieu de partir chez toi et faire WhatsApp aux gens et me critiquer, viens me voir. Je t'explique me. Pourquoi il te faut l'argent. Explain mm. why you need money. Viens me voir. Come to see je t'explique me. Pourquoi il te faut l'onction. Explain you why you need anointing. À quel moment tu as pris le courage, la décision de te rapprocher de l'homme de Dieu pour demander l'explication de ce que nous faisons? Je suis arrivé dans l'église. On fait l'offrande. On bâtit les hôtels. On paye la dîme. Pourquoi il aime parler de l'argent? Demande que je t'explique. Amen. Plus ont échoué many people have alors qu'ils étaient sur la bonne trajectoire they want a good way. Parce qu'ils ont écouté because they've listened. Ils n'ont pas compris they have not understood. Ils n'ont pas compris pourquoi why have you not understood? Ils n'ont pas attendu le soir they have not waited dans for la journée the day. La foule était là the crown was et quand there. La foule est partie the crown left, Pierre a dit say, explique-nous explain us. Et Jésus dit que ça qui on n'a pas expliqué those who were not explained sont les aveugles are blind. Jésus dit que ça qui on n'a pas expliqué those who are not explained, vont conduire les autres dans le trou. Will lead others in the hole. Tu peux nous imaginer depuis que l'église a commencé you can imagine since the church started, le nombre de personnes qui parlent des choses qu'ils ne comprennent pas the number of people who talk about things they don't even understand, et ceux qui les écoutent and those who listen to them, rentrent dans le trou. Enter in the hole. Yes. Pour l'église the church, Dieu fait alliance avec un homme et non avec toute l'église God makes covenant with the man, not with the whole et church. C'est la personne qui a alliance avec Dieu the person who is in covenant qui, a la, with God. La, qui a l'obligation has the obligation, qui a la lourde responsabilité has a heavy responsibility d'expliquer to explain. Dans chaque dispensation, in every dispensation dans chaque ère in every dans chaque saison season, il y a un mouvement there is a movement. Et dans chaque mouvement, moment, Dieu suscite des personnes people, avec un appel précis, with a specific objectif call, précis specific objective, pour accomplir une mission précise. To fulfill a specific mission. Dans ce pays, this country, il y a la saison there is a season, où le prophétique s'est levé, where the prophetic la voyance s'est levée, clairvoyance rise, les miracles, miracle, les délivrances. Nous sommes dans une saison où Dieu veut enrichir les chrétiens pour que l'église soit respectée. Il n'y aura pas de respect de l'église s'il manque deux données dans l'église. Numéro un, l'onction. Numéro deux, la richesse. Personne dans votre pays ne pourra vous respecter si vous n'avez pas l'onction et la richesse. Personne. Nobody. Personne. Nobody. L'amour de Dieu dans le cœur, pour le ciel. God's love in the heart is mais dans heaven. La société, but in society, l'église sera respectée the church will be respected si elle a la puissance if it has a power pour accomplir, to fulfill, pour réaliser. To realize.
et la richesse and riches, pour briller, shine, pour monter, to climb, pour bâtir. To build. Dans ta famille, in your family, tu aimes ta famille, you love your mais family. Tu peux convertir combien de personnes? How many people can you convert? Aujourd'hui, tu es le sujet de raillerie de ta famille. You are the subject of mockery. Et ils disent dans ta famille que depuis que tu es dans les églises, they even say that since you are in churches, ta vie n'a pas de sens. Your life makes no sense. Essaye de devenir riche. Try to become rich. Fais les faits, fais semblant. Manque même que tu as l'argent. Even like that you have money. Manque même que tu viens de gagner l'auto 20 millions. Like that you won lottery 20 millions. Le même jour, the same day, le nom avec lequel ils t'appellent change. The name they call you with will change. Aujourd'hui, notre misère, nowadays, our misery, notre pauvreté poverty, est un frein, a break, est un blocage blockage, à l'évangile dans nos familles. The gospel in our families. Dès que tu partages le culte dans le groupe de famille, ça commence. When you say the church service, enlève nos group, bêtises là. Delete it. Vos affaires des bandits là. Vos affaires des escrocs là. Depuis que tu es là-bas, ta vie a quel sens? Pas de mariage. Pauvreté. Poverty, blocage. Chômage. Tente d'avoir l'argent. Renvoie encore le même culte. Send the same link. Le riche peut envoyer le culte dans la famille quand parle. Can the rich send the link of the church service to the family and somebody speak? Laisse-moi t'expliquer pourquoi il te faut l'argent. Let me explain why you need money. Quand tu es riche, when you are rich, tu dis Jésus. Say Jesus. On t'écoute. People quand listen. Tu es pauvre, when you are poor, tu dis Jésus. Say Jesus. On demande si tu as faim. They ask if you are hungry. Pierre dit à Jésus. Peter said to Jesus. Explique-nous. Explain us. Explique-nous. Explain us. Explique-nous. Explain us. Dans l'alliance. The covenant. Explique-nous cette parabole. Explain-nous this parable. Explique-nous cette affaire. Explain-nous this matter. On gère ça comment? How do we sort it? On dit richesse. We say riches. Ce n'est pas pour se faire voir. It is not to boast. C'est pour l'avancement du royaume. It is for the progression of the kingdom. On dit onction. We say anointing. Pas pour combattre nos anciens amis. Not to find our ex-friends. C'est pour l'avancement du royaume. But for the progression of the kingdom. L'onction que tu es censé avoir dans l'alliance, nothing you're supposed to have in the covenant, c'est pour guérir ton frère, is to heal your brother, et non pour détruire l'autre. And not to destroy the other. La richesse que tu es censé obtenir de l'alliance, the riches you're supposed to obtain from the covenant, c'est pour bâtir l'œuvre, is to build the work. Combien de fois par jour, how many times daily, tu dis Seigneur, do you say, Lord, si tu me bénis, if you bless je vais me, donner à l'église. I'll give to the church. Laisse-moi te dire quelque chose. Let me tell you something. Si tu veux réellement, if you really want, investir dans l'église, to invest in the church, je répète, I repeat, si tu veux réellement, if you really want, participer à faire avancer l'église, to partake, to make the church go ahead, si tu veux réellement, if you really want, être une colonne de l'église, to be a pillar in the church, si tu veux réellement, if you really want, être un pilier de l'église, be a pillar in the church, Dieu God donne la semence, gives the seed au semeur. To the sower. Ce que je suis devenu dans l'église, who I have become in the church, est fonction du cri de mon cœur depuis le premier jour où j'ai mis mon pied à l'église. Depends on the shout of my hands since the first day I set my feet in the church. Il n'y a pas de hasard, pasteur, vous m'écoutez. Pastor, so you are listening and watching. Ce que vos chrétiens deviendront, who your Christians will become, est fonction de ce qu'il y a dans leur cœur. It depends on what is in their heart. S'ils trouvent dans leur cœur, if in their heart, qu'ils n'ont pas intérêt, they don't have de faire avancer l'œuvre, to make the L'alliance ne peut pas faire avancer leur vie. The covenant cannot make their life progress. L'alliance, the covenant, c'est pour l'œuvre. It's for the world. L'alliance, the covenant, c'est pour le royaume. It's for the kingdom. L'alliance, the covenant, c'est pour sauver les âmes. L'alliance, the covenant, c'est pour servir Dieu. Mais quand tu es assis à l'église et ce qui est dans ton cœur est contraire à ce que Dieu a dans son cœur, tu sors de l'alliance. Les émotions font que quand tu arrives à l'église, church, tu veux aider, tu help, veux donner, tu give, veux servir, serve, mais tu n'es pas encore dans l'alliance. Quand tu es dans l'alliance, covenant, que tu sois content, proud, tu veux donner toujours. Tu give, es fâché, angry, tu veux donner. On give, te fait du bien, tu veux good, donner. On te fait du mal, if tu veux donner. Give, le signe que quelqu'un est dans l'alliance, covenant, c'est bon, good, il est là. Is c'est mauvais, bad, is
there. Mais le malheur qu'on a, c'est que on a eu trop de personnes dans l'église qui n'ont jamais été dans l'alliance. Pasteur, je te parle, tu me regardes sur Internet ou à la télé. Il te faut suffisamment de courage pour dire à certaines personnes, j'ai réalisé que vous n'êtes pas dans l'alliance, séparons-nous pour ton bien. Personne de ton entourage ne peut te faire avancer s'il est dans ton alliance. La richesse, l'onction, la grâce, la puissance que l'alliance te donne, c'est pour l'œuvre. À peine tu as voyagé, tu n'as même pas encore signé le contrat. You have not yet signed the contract. Tu es un méprisant. You are already scornful. On a beaucoup de fils et de filles à l'étranger. How many sons and daughters abroad? Et Dieu ne les a même pas encore bénis. God has not yet blessed them. Ils n'arrivent même pas à payer la dîme. They cannot even pay their tithe. Il y a beaucoup qui aiment venir écouter les prédications en cachette là. Many like to watch us in hiding. Ils envoient l'offrande de 5 000. Tous les 3 mois. Parfois, ils n'envoient même rien. Mais tu vas voir dans les directs. Amen. Alléluia. Ce que papa dit est vrai. Je suis en train de t'informer. Je ne te transfère rien. I just inform you. Parce que tu ne peux même pas être dans l'alliance because you cannot even be in the avec covenant un tel comportement. With such a behavior. Quelqu'un m'a dit. Somebody told me. Que me sert-il d'aller m'asseoir dans une église pendant 3 heures? Was it used to sit down in the church for 3 hours? Alors que je peux écouter le même message sur YouTube en restant chez moi. Meanwhile, I can watch the same message on YouTube while remaining in my house. Tu veux que je dise quelque chose? You want me to tell you something? Le message que tu écoutes sur YouTube de Marcelo, the message you watch on YouTube, de Ivan, of Marcelo, de Tatou, Tatou, t'informe. Informs ce qui te transforme, what transforms ce qui you te transfère quelque chose, what transfers you something, c'est ce que tu reçois par une alliance. It's what you receive from the covenant. Maintenant, je t'explique. Now, I explain. Si tu écoutes le pasteur Marcelo ou Ivan sur Internet, if you listen to Pastor Marcelo, et tu Ivan veux on the que son internet, message te transforme, I want his message tu to transform dois sacrifier you dans son ministère. You must sacrifice. Tu ne fuis pas. You don't run away. Tu n'es pas intelligent, you are not intelligent. En volant les prédications sur YouTube. Stealing the preachings on YouTube. La grâce que le pasteur Marcelo transporte, the grace of Pastor Marcelo, le pasteur Tatou transporte, Pastor Tatou carries, ne peut être bénéfique can be beneficial que si tu tisses alliance avec lui et tu entretiens l'alliance. And you entertain the covenant. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui nous suivent sur Charis TV et ils sont heureux de m'écouter prêcher, ils ont l'information et non la transformation. Ce qui est transféré est fonction du canal de transfert. Et le canal de transfert est établi par l'alliance. Et l'alliance est scellée par le sang. Et le sang vient du sacrifice. Et le sacrifice est déposé sur l'autel. Écoute tous les pasteurs du monde. Aucun de ces pasteurs ne te bénira si tu n'es pas en alliance avec eux. Qui t'appelle de la grâce, fais alliance avec un autre pasteur. Sinon, tu es mort. Quel qu'en soit le temps que ça prendra, le manque d'alliance va sécher ta vie. Si c'est le pasteur Castanou que tu suis, fais alliance avec lui, paie-lui tes dîmes, envoie-lui les sacrifices, des semences, des offrandes, entretiens l'alliance. Yes. Tu suis qui? Who do you follow? Tout le monde sur YouTube. Everybody on YouTube. Le meilleur prédicateur de l'heure, c'est lui que tu suis. Chrétien, tu es perdu. You are lost. J'ai vu au Niger en 2012. I saw Nigeria in 2012. Les églises sont alignées comme ça. Churches are lined mais up. Chacun connaît sa maison. But each person recognizes personne house ne part chez le voisin. Nobody goes to the neighbor. Tu as parti de l'aéroport. As on the airport. Église, église, church, église, église. Mais personne ne part chez l'autre. But nobody goes to the other. Chacun connaît là où Dieu l'a envoyé pour tisser l'alliance. Each person knows where God sent her to make tu sais pourquoi ils sont comme ça? You know why they are like that? Ils sont enseigné. They are taught. Ils ont écouté et on a expliqué. And they explained. Chez nous,
On écoute, on n'explique pas. On veut le fire, on veut le fire, on veut le fire. Il n'y a pas d'explication. Si c'est ici que Dieu t'a amené, tisse l'alliance, entretiens l'alliance. Si ce n'est pas ici, va là où Dieu t'a envoyé. Le mépris et l'orgueil ne t'amènera nulle part dans le spirituel. Tu es simplement perdu. Et quel qu'en soit le temps que ça prendra, la vie va t'enseigner. Je ne suis pas le pasteur qui te dit de ne pas aller chez Castan ou chez l'autre. Je suis le pasteur qui te dit, si tu pars là-bas, fais alliance, entretiens l'alliance. Si tu es ici, fais alliance, entretiens l'alliance. Tu ne peux pas être ici, tu ne peux pas t'as dit, mais tu crois que tu vas voler. On ne vole pas. Je ne viendrai jamais vérifier si tu as payé ta dîme, mais les esprits savent. Je ne viendrai jamais vérifier si en donnant tu as murmuré, mais le spirituel sait. Je ne viendrai jamais vérifier si tu critiques ce qui est fait, mais les esprits connaissent que tu es quelqu'un qui aime critiquer tout ce qui est fait. Comment tu peux être dans l'alliance de quelqu'un et tu parles mal, tu parles mal, tu parles mal, tu veux mourir? Pierre et les autres sont dans l'alliance. Il dit à Dieu, à Jésus, explique-nous. Alors, l'ange dit à Daniel, je suis venu pour t'expliquer. Ce que tu vois là, l'ange commence à parler. Toutes ces personnes que Dieu a utilisées ont reçu de Dieu l'explication. Et la dernière chose que je vais te dire, à part l'explication, dans Daniel chapitre 9, quand tu rentres dans l'alliance et que tu pries, Dieu n'agit pas. Tu pries, il n'y a pas exaucement automatique. Dieu mandate Gabriel pour apporter une solution rapide, automatique. Dans l'alliance, Dieu te parle, tu écoutes, on t'explique, tu comprends et Dieu agit. Amen. Daniel chapitre 9, verset 21, il est écrit. Oui. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Yes. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Écoute-moi. Listen. Dans le chapitre 8, chapter 8, il a expliqué. He explained. Maintenant, now, il ouvre l'intelligence. He opens the insight. Il y a des choses qu'on peut t'expliquer, mais tu es tout bête. You can be explained, but you are still mad. Mais à un niveau, après un certain temps, after a certain time, tu as besoin que ton intelligence s'ouvre. You need your insight to be open. Et pendant qu'il ouvre son intelligence, while open his insight, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole. Dans l'alliance, on n'est pas dispersé. In the covenant, we are not scattered. Dans l'alliance, on n'est pas distrait. In the covenant, we are not distracted. Dans l'alliance, on est attentif. In the covenant, we pay attention. Dis à ton voisin, sois attentif. Pay attention. Touche quelqu'un, dis-lui, sois attentif. Pay attention. Non, tu n'as pas touché. Dis quelqu'un, dis, sois attentif. Pay attention. Dis à quelqu'un, sois attentif. Pay attention. Sois attentif. Voilà le problème des chrétiens. That's the problem of Christians. Frère, brother, le succès ne vient pas par hasard. Achievement doesn't come by chance. Il faut être attentif. You need to pay attention. L'ange a expliqué tout à l'heure. The angel just explained. L'ange maintenant vient ouvrir l'intelligence. Now the angel opened the insight. Maintenant l'ange lui dit, now the angel told him, sois attentif. Pay attention. Vous savez, no? Il y a des gens qui ont réussi par chance. Some people have succeeded by chance. Ils ont fait le loto, ils ont joué au Paris Foot et après ils ont eu l'argent. They won lottery after they had money. Les nous là, but we, c'est la concentration. Concentration. Sois attentif. Pay attention. L'ange vient pour intervenir. The angel comes to intervene. Mais lui dit que je vais faire ma part, Dieu va faire sa part, toi aussi fais ta part. Moi, je vais prier pour toi à partir de ce soir. Pray for yourself tonight.
Mais tu as les choses à faire. But you have things to do. Sois attentif. Pay attention. Quand tu viens me voir que tu as un problème, when you come to see me for a problem, je m'en fous si tu as tort ou raison. I don't care if you're right or wrong. Je tue le sorcier, je tue le sorcier, je tue le sorcier, je renverse les hôtels, je fais tout ce que j'ai à faire. I do all what I have to do. Mais à la fin, but at the end, tu échoues toujours. You always fail. Tu sais pourquoi? Do you know why? Tu n'es pas concentré. Because you are not concentrated. Tu n'es pas attentif. You're not attentive. Une seule parole peut déterminer la toute ton année. Just one word can determine your whole year. Un seul acte prophétique peut seulement te concerner. Just one prophetic action can concern. Mes amis, je vous donne un secret dans l'église. I give you a secret in the church. On peut tous être ici ce soir. We can all be here tonight. Mais Dieu m'a envoyé ce soir pour une personne. But God has sent me tonight for one person. Il va envoyer pour poser un acte pour une seule personne. He has sent me to carry out an action for one person. Et quand la personne aura compris, when the person will have understood, le culte s'arrête. The service will end. Et la question comprend pourquoi. And why does a person understand? Elle est attentive. She's attentive. Et j'ai compris quelque chose. And I've got something. L'attitude que tu as à l'église est fonction de l'attitude que tu avais en quittant chez toi. The attitude you have in the church depends on the attitude you have while leaving your house. C'est la nonchalance que vous avez chez vous qui vous conduit à l'église. What you have in your house leads you to the church. Si tu quittes de chez toi avec pour ambition de venir puiser. If you leave your house with the ambition to come and draw. Si tu quittes de chez toi avec pour ambition de venir recevoir. Or to come and receive. Tu vas pas jouer avec les paroles. You won't play with the words. Parfois, tu habites à côté de l'église. At times you are living near the church. Mais c'est quand la prédication commence que tu t'habilles. At the time of the preaching, you dress yourself. Je n'ai pas dit que tu sors du travail. I didn't say you are coming tu n'as to the rien website. Fait de la journée. You did nothing of your day. Mais ta façon, tu arrives à l'église. But the manner you come to the church est un signe que tu ne peux pas recevoir. It's a sign that you cannot receive. Si Dieu te met en alliance avec moi, if God puts you in covenant sois attentif with me, à toutes mes paroles. Pay attention to all my Habakkuk words. Est dans une alliance avec Dieu. Habakkuk is in the covenant with Habakkuk God. Chapitre 2 à partir du verset 1. Habakkuk chapter 2 from verse 1. Il dit, je veillais I was watching, et j'attendais I was waiting pour voir to see ce que l'Éternel me dira. Quand tu es attentif, tu n'écoutes plus la parole, mais tu vois word, la parole. Yes. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la cour. Dans l'alliance, chacun a son poste. Dans l'alliance, chacun a sa place. Everybody has his place. La place de Papa Dubois n'est pas ta place. The place of Papa Dubois is not yours. La place du pasteur Elvis n'est pas ta place. The place of Pastor Elvis is not yours. Quand tu es à ta place, when you have your place et tu es attentif, tu t'attends à ce que Dieu fasse, à ce que Dieu parle, à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu intervienne. Aujourd'hui, il ne fait pas. Demain, tu attends. Demain, il ne fait pas. Après, tu attends. Un jour viendra, si tu restes en éveil, il va faire. Amen. Yes. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que je veillais. Les gens s'endorment, moi je veille. Les gens s'en vont, moi je veille. Les gens insultent, moi je veille. Les gens arrêtent de sacrifier, moi je veille. Les gens arrêtent de prêcher, moi je veille. Parce que quand Dieu m'appelle, il m'a dit qu'il fera. Il n'a pas dit qu'il fait. Il a dit qu'il fera jusqu'à ce que ça arrive. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Je n'ai pas le droit de me détourner. Je n'ai pas le droit d'endormir. Je n'ai pas le droit dans la distraction. Je dois veiller. Amen. Yes. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me montrerait. Il n'a pas dit ce que Dieu va me montrer. He didn't say what God will show. Pour voir ce que Dieu va me dire. To see what God will tell me. Dans l'alliance, in the covenant, les paroles words, ne sont plus les choses qu'on écoute. No more things we listen, les paroles but words, sont les choses qu'on voit. What we see. Dieu te dit, je te bénis. Et toi, tu vois ton mariage. Dieu te dit, je te bénis. Et toi, tu vois ta nomination. Dieu te dit, je te bénis. Et toi, tu vois ton voyage. Dieu te dit, je te bénis. Et toi, tu vois ta guérison. Tu vois quoi? Quand tu me regardes, tu vois quoi? Hey,
un pasteur bien habillé, un pasteur qui prêche bien, un pasteur qui aime gronder, qui est menacé, un pasteur qui a l'argent, ou quelqu'un qui transporte une cruche, qui peut te transmettre l'eau. Ce que tu reçois est fonction de ce que je te dis. Ce que tu reçois est fonction de ce que tu vois dans ce que je te dis. Je n'ai pas dit que ce que tu entends ou comprends de ce que je te dis, ce que tu vois dans ce que je te dis. But what you see in what I tell you, si tu vois dans ma parole, in my word, la vie, life, la délivrance, living, l'élévation, je peux te rassurer une chose, ta vie ne peut pas échouer. Tu ne peux pas finir mal. Amen. Tu ne peux pas échouer en chemin. Amen. La gloire va seulement te saisir. Amen. La richesse va te localiser. Amen. Je prie pour 260 personnes. Yes. Que mon Dieu te bénisse. Amen. À cause de mon alliance avec le Seigneur, yes, je déclare ta restauration. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Je déclare ton élévation. Amen. Je déclare ta promotion. Amen. Je déclare ton succès. Amen. Je déclare ta richesse. Amen. Je déclare ton abondance. Amen. Je déclare ta gloire. Amen. Je me tiens sur l'alliance, yes, que j'ai avec Dieu. Et je prie pour toi. Tu yes es guéri. Amen. Ton enfant guéri. Amen. Ton neveu guéri. Amen. Ta nièce guérie. Amen. Ton frère guéri. Amen. Ta maman guérie. Amen. Ce soir, yes, je me tiens sur l'alliance avec mon Dieu et je commande la guérison dans l'église. Amen. Je commande la restauration dans l'église. Amen. Je me tiens sur l'alliance avec mon Dieu, yes, et je déclare succès, amen, faveur, amen, bonheur, amen, élévation, amen, richesse, amen, santé, amen, guérison, amen, délivrance, amen, puissance, amen, pouvoir, amen, honneur. Amen. Je me tiens sur l'alliance, yes, avec mon Dieu, hey, et je déclare dans ta vie, yes, protection, amen, protection, amen, protection, amen, protection, amen, protection, amen, protection, amen, protection. Amen. Ce soir, yes, je me tiens sur l'alliance avec Dieu et je commande ton élévation. Amen. Élévation. Amen. Élévation. Amen. Élévation. Amen. Élévation. Amen. Élévation. Amen. Je me tiens sur l'alliance avec Dieu, yes, et je déclare la grandeur, amen, le bonheur, amen, le succès, amen, la joie, amen, enfantement, amen, mariage, amen, succès, amen, réussite, amen, réussite, amen, réussite, amen, réussite, amen, réussite. Amen. Ce soir, yes, je me tiens sur l'alliance avec Dieu, et je déclare dans ta famille, yes, les mariages, amen, les mariages, amen, les mariages, amen, les mariages, amen, les mariages. Amen. Ce soir, yes, je me tiens sur l'alliance avec Dieu, hey, et je déclare, yes, en cette fin d'année, hey, pas de mort précoce. Amen. 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 Je me tiens sur l'alliance avec mon Dieu, yes, et je déclare, tu te relèves. Amen. Spirituellement, tu te relèves. Financièrement, tu te relèves. Financièrement, tu te relèves. Financièrement, tu te relèves. Financièrement, tu te relèves. Socialement, tu te relèves. Professionnellement, tu te relèves. Spirituellement, tu te relèves. Spirituellement, tu te relèves. Je me tiens sur l'alliance avec Dieu, yes, et je déclare la lumière sur ta vie. Je reçois. Ton étoile brille. Amen. Ton étoile brille. Amen. Dans les affaires. L'étoile brille. Dans les projets. L'étoile brille. Le ministère. L'étoile brille. Des projets. Ton étoile brille. Le travail. Ton étoile le brille. Mariage. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Amen. Je déclare sur ta vie ce soir. Yes. Par l'alliance que j'ai avec Dieu, tu n'échoueras pas. Amen. Je dis tu n'échoueras pas. Amen. Je dis tu n'échoueras pas. Amen. Je déclare à partir de l'alliance avec mon Dieu, yes, le succès dans ta vie. Je reçois. C'est ce que tu vois du succès que tu reçois. Amen. Si tu vois le succès dans la richesse, tu reçois la richesse. Amen. Si tu vois le succès dans le mariage, tu reçois le mariage. Amen. Si tu vois le succès dans l'enfantement, tu reçois ton enfant. Amen. Si tu vois le succès dans ton ministère, reçois l'onction. Je reçois. Le succès. Je reçois. Succès. Je reçois. Le succès. Je reçois. Le succès. Je reçois. Le succès. Je reçois. Au nom de Jésus.
Cette semaine d'alliance, je déclare yes. que le Seigneur te fasse rentrer dans la communion. Amen. Et qu'il t'explique les choses cachées. Amen. Qu'il réveille ton intelligence. Yes. Amen. Qu'il te rende attentif. Amen. Concentré. Amen. Consacré. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Acclame Jésus bien. Gloire à Jésus. Acclame Jésus bien. Yes. Assieds-toi, Dieu te bénisse. Acclame Jésus bien.